Les fortes chaleurs et les incendies continuent de frapper plusieurs pays européens, à commencer par la Grèce, qui faisait face ce dimanche à trois gros feux de forêt, notamment sur l'île de Lesbos et dans le parc national d'Adia, où s'est rendu le ministre grec en charge de la crise climatique et de la protection civile. Nous allons nous rendre sur le front sud-ouest de l'incendie pour constater le travail effectué sur place et examiner les moyens de créer des coupes-feux. À Tenerife, dans l'archipel espagnol des Canaries, un feu de forêt a déjà emporté plus de 2000 hectares et entraîné l'évacuation de 600 personnes. Selon les scientifiques, la multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes est une conséquence directe du réchauffement climatique. On termine ce tour d'Europe des incendies par la République tchèque, où les pompiers ont déclaré le plus haut niveau d'alerte au feu en raison d'un incendie de forêt qui s'est déclaré ce dimanche dans le parc national de la région naturelle de Suisse tchèque.